Il t'a obligé by foi en dos parce que pays président Jovenel t'a présenté sous tribune Nations Unies hier là mon cher pays t'a remis vienne passer deux jours. Il t'a remis fond deux jours la dernière parce que au pays côté démocratie a triomphé sérieusement au pays côté eh ben depuis gang n'a pas arrêté de pas Charlie te gain sans tal calme encore là président met pied yo met pied sous tête 64 yo cabine sa plate à terre et puis tu restes cap bougeon et cap batte que ouais bon si 64 cabine tu restes ça non badge que là pas entendre parler de ça encore qu'a finax ça net donc mon yo dit pays ça son pays yo t'a remis vraiment vin passer des jours là dans le mounio en pile oui guerrier donc continuer des bayo et puis Goda fais nous signal pour nous connait qui ça cap discuter sous plateforme YouTube là parce que c'est Facebook là nous gain contrôle. Merci en pile avec Ricardo Saint-Marc, merci Marie Christlaine Saint-Jean, Erreur Jean-Vinel dans Montréal, ça fait dans pile plaisir d'Orson Jonex Moïse qui dit nous que il a fait grand voyage ensemble avec nous, il gain tant jam non seulement il a tendé nous et puis il a gardé nous tous sous plateforme Facebook là, Joël West Palm Beach, Edouard Pierre dans Atlanta, Claudine en Floride, Herbie Alexis, Orlando, bonjour Orlando, bonjour Elgin Fetus, Patrick de New Jersey, Patrick Fondéchève, Elistin Oliès dans Montréal, Saint-Fleur Elio dans New York, bonjour New York, Renaud Bonitor, Anel Bado, Victor Charlie, Solange dans New York, bonjour Solange, Lévi Frankel dans Canada, tout Canada, l'humain sous Caraïbes, Met Hans Deli, La Fleur, non, Jean qui dans Jacksonville et qui salue toutes amis nous yo qui a suivi nous en Haïti et qui mandent pour nous font salutation particulière avec tout paysan mon bien cochu qui pas jamais raté journal ça. Merci en pile Pierre Inomitelus, Dickens Gédéon dans New York, Odeis Jean-Louis dans Floride, Micheline Chéri dans Boston, Manilia Marseille qui voulait un gros coup de chapeau pour mon Jacques Mel, Marie Cépoint Jean-Charles dans Connecticut qui a prié pour l'équipe là sérieusement. Merci Junior Bosier, nous joignons si à lui au fur et à mesure, nous jetons l'autre coup de tête sous plateforme. Non, pour nous, qui ça a quitté sous plateforme ça, guerrier? Oui. Nous avons commencé avec la participation du président, Pierre Renel. Il faut nous dire président, pas en direct sous la tribune des Nations Unies, genre ça qu'on a habitué fait, depuis après remonter et maladie Corona qui a fait un pile dégâts. Eh bien, puis il faut un président, il aurait été la caillou, il était dans le studio, il aurait été dans la chambre, il aurait été dans le salon la caillou, depuis il y a un bon salon, et puis décoré, et puis mettez l'image sur eux pour parler à le monde. Et dans ce sens, le président Jovenel Moïse était sous tribune des Nations Unies, mais il était en Haïti, mais il voyait l'image. Oui. Intervention li fait Bob Zassé quelques jours après un rapport catastrophique des Nations Unies sur la situation en Haïti. Président Jovenel Moïse qui essaie de défendre la situation Haïti à côté de montrer sous 102 gangs qui existaient dans le pays. Il a écrasé tête 64. Et il dit déloger ou bien kidnapper. Démanteler. 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 Ça va exister même encore. À côté ça, il y a quoi? Et masque dit. Non, il y a une nuit, il y a une nanip. Ça n'a ni plat. Ça n'a ni plat de gadi de patsa. Qui ça n'a gadi boli? De patsa, oui, de matelé. Ah, il y a une qui de patsa. Nanip, oui. Nanip. Oui, quand tu as 19 nèg qui tape, oui, ça a de patsa. Avec quoi? Il y a une deux jours. Qui te pour ton bourrade l'autre. Il y a une deux jours. Il y a ça pour 400 maozo. Côté l'autre chose. Côté de l'autre chose de matelé là. Au fur et à mesure, en cuisine et discours, pour une café, nous connaît. 400 maozo pas de matelé, il y a toujours là frappé. Président Jovenel Moïse. Le démantèlement des gangs. La première composante a été la commission de désarmement et de réinsertion qui a connu des succès limités. La seconde, le renforcement des capacités de la police et le démantèlement agressif des gangs. Sur 102 gangs, on a démantelé 64. Le travail d'établissement de la sécurité a été accéléré. Le nombre de kidnappings a considérablement baissé et la population apporte son support au travail de la police nationale. La plupart de ces gangs sont supportés par des oligarques corrompus. Je comprends très bien les inquiétudes exprimées dans le rapport concernant l'insécurité dans le pays au cours des 12 derniers mois. Force est de reconnaître que la police nationale d'Haïti, avec la nouvelle gouvernance mise en place récemment, travaille d'arrache-pied afin de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Des changements importants
ont été opérés au niveau du commandement de l'institution policière. Plusieurs réseaux de gangs sont déjà démantelés. Des actions sont en train d'être menées un peu partout dans le pays pour neutraliser les groupes armés et rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. La police a su résister aux propositions de corruption de l'institution par des oligarques corrompus qui cherchaient son implosion, ce qui aurait profondément affecté l'avenir de notre démocratie. La remobilisation de l'armée en France, elle a apporté son soutien aux opérations de la police contre les gangs. Comme il est précisé dans le rapport, la part du budget national consacré à la police nationale a augmenté de 53% en 2021 par rapport à l'exercice fiscal 2019-2020 pour atteindre 6,59% du budget national. L'amélioration des conditions de vie des policiers a été au centre des décisions prises. Nous nous félicitons du fait que certains pays amis, comme les États-Unis d'Amérique, la France et la Colombie, apportent leur appui au renforcement des capacités du pays dans le cadre de la lutte contre les enlèvements. Grâce au soutien des agences onusiennes, nous avons mis en place un dispositif de gestion des armes et des munitions conformément à la législation nationale en vigueur et aux instruments internationaux auxquels Haïti est partie. Nous reconnaissons que le renforcement du système judiciaire est un élément essentiel de la lutte contre l'insécurité et la criminalité organisée. C'est dans cet esprit que le gouvernement vient de doter les acteurs du système des outils juridiques plus contraignants pour combattre ce phénomène, pour renforcer l'état de droit et consolider l'appareil sécuritaire. En l'absence d'un parlement fonctionnel, j'ai dû adopter certains décrets qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'insécurité galop et le kidnapping. Je suis le cinquième président depuis 1987 à utiliser cet outil pour répondre aux besoins de notre peuple. Je continuerai à en faire un usage limité jusqu'à l'élection du Parlement et à la prestation du 59e président de la République au 7 février 2022. Toujours dans le cadre des efforts visant à renforcer le système judiciaire, nous avons augmenté le budget 2020-2021 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de 35% par rapport au budget de l'exercice fiscal précédent. Les lourdes conséquences de ce climat de violence sur la société haïtienne, le fonctionnement des institutions et l'économie du pays ont été soulignés à l'encre forte et répertoriés dans le rapport conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ce rapport, qui a été publié le 18 janvier 2021, a dressé le bilan des violations et abus des droits de l'homme perpétrés dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées 6 juillet 2018 et le 10 décembre 2019. Mon gouvernement, dans les prochains 15 jours, et après le Conseil des ministres, publiera le rapport national sur la situation des droits humains en Haïti. Tous les cas mentionnés ont été l'objet d'enquêtes de la part de la direction centrale de la police judiciaire. En effet, voilà, donc, président Jovenel Moïse, c'était hier. Faut que nous disions dans la même intervention, ça. Faut que c'est ça, bien. Président qui, sous question brutalité policière, dans manifestation, yo, qui déclarait, devant Conseil Sécurité l'ONU, gagnait des gangs qui déguisaient en manifestants et en journaliste pour attaquer policiers. Donc, une déclaration qui peut être qu'a mis journalistes dans une situation difficile. Hein? Il y a mis davantage sur du feu. Oui, bon, c'est la police qu'on a gagné de gang qui déguisé en journaliste. Donc, n'importe quoi qui a passé. Donc, automatiquement, oui. Que le président informé dit ça, il n'a pas bien passé. Informé parce que tu as supposé qu'il y a des actions qui t'a doué de temps, automatiquement, aux yeux au-dessus de tout le monde, pour capable distinguer le vrai du faux. Oui. Donc, si son couloir comme ça, gang t'a utilisé, donc pour prendre la rue pour l'attaquer, policier, automatiquement, président, gain information, action
t'as supposé action publique, oui, même c'est. T'as supposé déjà mettre en mouvement une façon pour capable gagner quiétude d'esprit la caille l'autre confrère de la presse qui dans la rue qui fait travail en toute quiétude d'esprit. Oui, parce que là un journaliste qui apparaît devant un policier, qui a passé son gang déguisé. Oui. Donc, et n'importe bagarre qui a passé. Bon, bagarre, en tout cas, c'est pas responsable du tout. Parce que là, les journalistes sont dans la rue, ils sont dans la manifestation. Je n'ai jamais souhaité que le président les continue à mettre et information ça yo si information disponible donc à c'est... la direction centrale de la police judiciaire et puis en pleine opération en pleine manifestation des arrestations a fait et a montré directement main des monde qui utilisaient couloir et presse là et soit quatre de presse ou bien en caméra pour attaquer policiers sous base que lycée reporter donc c'est quand même une situation qui était déjà préoccupée l'association journaliste haïtien qui a vive à l'étranger information qui pour que brutalité la police a exercé sous journaliste qui a exercé fonction mais après dernière intervention président devant conseil sécurité Nations Unies révélation il fait sous de gang qui t'a déguisé en journaliste et manifestant pour attaquer la police gagné association journaliste haïtien qui a vivre à l'étranger ou qui souhaitait faire en réaction mais juste avant gagné nous pourrait parler avec Fernando estimé. Qui c'est spécialiste nous dans relations internationales l'IPRA l'intervenu concernant qui t'a suivi devant Conseil de sécurité des Nations Unies et ma première question me d'avoir même demandé Fernando estimé est-ce que exigible ou un chef l'État participer dans genre de session s'il trouvait que le pas nécessaire bonjour Fernando et l'autre réaction concernant l'intervention du président Jovenel Moïse devant le Conseil de sécurité des Nations Unies hier, côté le fait qu'on ait gagné et gang qui fait passer tête pour journaliste pour attaquer la police qui était déjà accusée de faire répression sur journaliste qui a couvert manifestation. Nous gagnons avec nous en ligne depuis Miami, dans l'État Floride aux États-Unis. Telson Flérismé, qui c'est ancien journaliste en Haïti, puisque là, je dis à Yogan, une association journaliste haïtien qui a vive à l'étranger. Telson Flérismé, bonjour. Bonjour, Robert Céline, Bob C. Bonjour, Guerrier Dieu seul. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. Nous t'es déjà gagné en note de réaction par rapport à la situation journaliste au dernier jour ça en Haïti, mais note ça, Livin, coïncidait avec l'intervention que nous t'es souhaité faire après dernière intervention chef l'État hier dans Nations Unies, côté le palais de gang qui fait être passé pour journaliste pour attaquer la police. Réaction sous ça? Et réaction association journaliste haïtien qui vivent dans le pays étranger au forme du tout et association ça li regroupe tout journaliste en général qui pas vivre en Haïti ça veut dire États-Unis, France, Canada, Chili, Venezuela et Brésil tout côté nous fait association ça c'est dans objectif pour nous pour te support nous avec journalistes haïtiens yo. Avant d'entrer dans notre map, juste pour exemple, tant nous-mêmes nous là, si un journaliste haïtien sorti, il voyage, il arrive en France, il arrive aux États-Unis, il arrive au Canada, et le grand problème, il est capable de prendre contact avec membre association et nous-mêmes, le peu qu'il soit, quelle que soit intervention pour nous faire, n'a fait intervention qui peut permettre nous porter concours nous bail journalistes et nous viser tout pour nous continuer bail des séminaires chercher formation pour journalistes pour devenir plus professionnel. C'est principal objectif nous et faire des activités qui pour réellement nous mêmes comme journalistes qui t'est passé en bas qui t'a travaillé ici comme professionnel nous qu'en Berlin. Et nous condamner sans réserve, façon la police avec pouvoir Jovenel là a traité journaliste haïtien aujourd'hui là. C'est inadmissible, c'est pas possible pour chaque fois des manifestations et ensuite gagner des journalistes comme victimes. Comment voulez-vous un pick-up qui portait journaliste
pour la police lague en bonbon gaz en dedans pick-up là. Comment nous expliquer pour la police à faire répression sous manifestants et nous-mêmes les n'a regardé dans télévision, les n'a regardé image n'a pas nous tout journaliste haïtien yo visiblement identifié. Puis faut journaliste nous yo yo gagne des jackets qui marquent presse, yo gagne des casques qui marquent presse, yo gagne matériel yo dans main yo pour un policier prend plaisir l'a visé avec balle caoutchouc, ces journalistes yo visé. Pour moi-même, moi penser son bagage qui inadmissible. Et toute la presse haïtienne, toutes les médias en Haïti, il faut nous dénoncer. Et si nous ne dénoncer pas aujourd'hui, là, l'autre pouvoir qui vient pour venir, il va continuer à faire. Laisse là tout tard. Pas de question. Hier, nous suivons. Nous suivons l'intervention de M. Jovenel Moïse. Et non, devant les finissons. Même temps de Fernando qui se parle là, il a tout dit. Fernando a tout dit. Parce que le président n'a pas fait honneur, nous. Comme haïtien qui dehors. Le président pas fait valeur. Le par exemple, un président, monsieur Jovenel Campé, il dit que gagne deux bandits qui habillés en journaliste, ça veut dire gagne deux bandits qui mettaient quatre journalistes, qui gagne quatre de près journalistes et puis qui a attaqué la police. Son insulte. Matin là, quel que soit journaliste, quel que soit ligne idéologique, quel que soit médiaire, je pense que matin là, faut chaque média ta fond éditorial pour dire non, c'est assez. Enough is enough. Parce que nous pas qu'à comprendre que je dis là, quel que soit manifestation, monde qui a manifesté a victime, journaliste a victime en même temps. Pourquoi j'aime bagaille ça dans l'histoire? Moi-même, je fais tout le temps comme reporter, je couvre en pile manifestation, je couvre en pile gros événements à Haïti, je ne peux pas j'aime ça. Ça veut dire faut nous tous lever voix nous pour nous dénoncer ça. Nous-mêmes, comme association journaliste haïtien qui a vécu dans le pays étranger, nous continuons à dénoncer. Et nous demandons pour les journalistes de prendre responsabilité. C'est inadmissible tout. L'entendre un reporter ou bien un média parler et puis la parler de l'article 134.2. 134.2, il n'y a pas une question d'opposition selon opposition. Il faut que journaliste apprenne à prendre responsabilité yo, pour yo kou di, article 134.2, il dit mandat président commencé dans l'année électorale et puis c'est tout. Malheureusement, nous n'avons pas un cour constitutionnel qui pour interpréter type de article ça. Mais article en clair. Ça veut dire, je dis là, je ne peux pas comprendre un journaliste pour parler pour dire bon, selon. Telson, société civile là, mandat à président censé finir Telson. Et 7 février 2021. Non, c'est l'article, il faut chaque jour répéter l'article. Telson. Parce que l'article a très bien dit. Oui, non, moi t'es allé là, on dit que n'est pas un cours constitutionnel. Ça veut dire cours constitutionnel s'il est tranché, donc il est tranché. Mais nous pas gagner li, donc ça veut dire la cour non plus ou pas qu'à jouer wall li tout placer la cour constitutionnelle on pas faire des interprétations non, puisque il y a un débat sans nous et puis et sous prétexte fallacieux prétexte que nous chita des cours constitutionnelles nous pas qu'à parler pour cour constitutionnelle non nous pas qu'à faire interprétation en lieu et place de la cour constitutionnelle. OK, nous pas qu'à faire nous pas qu'à faire interprétation mais article en clair. Non, mais c'est clair, c'est clair, pas d'avoir débat sur comme ça. Nous avons lu l'article, mais nous n'avons pas dit selon tel monde. Parce que l'article lui-même, elle dit que le mandat président censé commencer l'année électorale. Là. C'est clair. Pour qui ça a dit l'article 100.1, il dit mandat président c'est 5 ans. Et puis il vient dire ça. C'est parce que justement, et monde qui t'a écrit l'article, ça a yo connaît Haïti pas jamais régulier dans affaire élection. Par exemple ici aux États-Unis, chaque premier mardi après 4 ans, yo connaît gè élection. Mardi chaque premier mardi mois de novembre depuis président arrivé sous 4 ans, yo connaît gè élection. Ça veut dire yo connaît que président a rentré en fonction 20 janvier. Ça veut dire c'est écrit. Ça veut dire quel que soit ça gagner, nous même il est pour nous apprendre faire effort ça. Jodian là, c'est tout haïtien, c'est vrai. Nous tout fait erreur. Mais jodian, il est temps que pour nous finir avec type de bagaille ça. Parce que l'on haïtien à l'étranger, quel que soit côté hier, l'on paraît ton côté,
yo mande ou koto sorti. Même là, on passeport américain, on passeport canadien, on passeport français. Mais non, non, que lieu de naissance ou pas changé. Lieu de naissance ou c'est Haïti lié. Si. Ou bien un passeport qui peut permettre ou voyager probablement ou jouir des privilèges dans le pays. Mais si. Ou était Haïti. Conclue pour nous, tel son. Ça veut dire. Conclue pour nous. Et comment fait, comment les journalistes qui ont été étrangers, qui pas trouvé eux sous même territoire ensemble avec eux, capable faire dans la mesure où ils ont besoin de rejoindre l'association que vous avez dirigé? Ok. Association lui-même, li, comment vous avez arrivé nous? Nous avons un website qui c'est AJHE. Nous avons monté sous lui. N'importe qui qui monte sous AJHE, qui signifie Association des journalistes haïtiens de l'étranger, ils sont capables de prendre contact avec nous. Nous gagnons Claudie Jean-Jacques, tout le monde te connaît dans la radio nationale, c'est lui-même qui a assuré président de l'association. Nous gagnons Gary Bélizère, c'est lui-même qui est secrétaire général de l'association. Nous gagnons Geoffrey Bien-Aimé, c'est porte-parole, et moi-même qui a parlé avec moi, c'est porte-parole. Nous gagnons Trésil Jean-Samuel, c'est conseiller association. Nous gagnons Robert Philomé qui est en France, c'est membre association. Nous gagnons Bidri Dossainville, c'est membre association. Nous gagnons Marise Balthazar, c'est membre association. Evan Dubois, c'est conseiller. Nous gagnons Jasmine Vendredi, c'est secrétaire général adjoint. Ça veut dire tout le monde qui voulait, quel que soit journaliste, qui t'a voyagé, qui a des problèmes, qui est arrivé en France. Nous avons Romain Wilfried, nous avons deux membres anciens Radio Caraïbes qui l'association, quel que soit journaliste qui est arrivé au Canada, qui est arrivé aux États-Unis, qui est arrivé en France, qui est arrivé Saint-Domingue, Chili, quel que soit côté lien, il est capable de prendre contact avec l'association. L'association nous fait justement, c'est parce que nous sommes Haïti, comme nous travaillons comme professionnels, je veux dire, là, nous vivons dans l'autre terre. Ça veut dire nous-mêmes, nous réunissons, nous cherchons 11 gens qui pour permettre de nous continuer à aider les journalistes. D'accord. Tant sur le plan professionnel et sous question formation ensuite. Et moi-même, je demande à tous les journalistes qui ont couvert manifestation, prends en pile précaution. Parce que je dis là, tous les journalistes, ouais, comment les policiers eux-mêmes, ont un problème direct avec les journalistes. Parce que on peut pas dire fini, mon pas dire rien pour nous son cas qui public côté gain on bon en fait ça a été passé visiblement donc côté gain en pile attaque tout qui fait côté policier par exemple regarde dans image côté gain on manifestant qui essaie mettons caoutchouc dans tête un policier donc image ça tout il était posé problème et il posait problème nous même nous elle image ça ou pas bon ou Haïti. Ça veut dire moi-même, c'est ça que je me dis. Policier, ça dans tout pays, quel que soit un policier, quel que soit une manifestation qui font acte comme ça, policier en fait pour l'arrêter et pour le présenter devant la justice. Ici, là, nos manifestations, yo mettons ruban, yo dou, pas de droit à traverser, le dépôt traverser, il y a pas de retour. Mais là, on parle de tout, il va prendre le nom de prison. Ou peut aller, ou peut apparaître tout, et puis qu'on y est là, ou parle devant le juge, et pour payer une amende. Et puis yo la go, mais manifestant ou moi-même, tout le monde qui a manifesté, c'est droit pour nous manifester, mais il faut nous respecter policiers autour. Policiers fait pour respecter manifestants, policiers fait pour respecter journalistes autour, il faut nous respecter tête nous. Moi-même, je couvre en pile manifestation, même j'avais Pierre Hunel, même j'ai avec tout journaliste, nous avons un minimum beaucoup. De respect. Ou c'est porte-parole, association journaliste haïtien qui vivent à l'étranger. Voilà. Journal tout pays en peu avancé sous Caraïbes. Il fait exactement 6h48 dans le matin. N'a pas allumé projecteur sous commune Cafou. Dans la question, ça fait l'école là, presque 4 semaines. Depuis, l'école là, pas vraiment en activité dans la commune ça. Donc, d'après un constat Radio Caraïbes, dans la commune Cafou, confirmé ni l'école l'État, ni l'école privée a fonctionné ou ralenti timidement. D'après quelques responsables établissements scolaires, yo, phénomène insécurité, c'est principal risque. Qui la cause situation ça. Responsable école privée, on a sens ça appelé en faveur, bon gens disposition ou garantie reprise activité dans la commune. Reportage Jean-Georges Blaise. C'est timidement activité l'école a tenté reprendre dans la municipalité Kafoua, côté 3-4 timoun
continuer à garder caillou depuis 4 semaines comme ça. Et jusqu'à journée lundi 22 février, c'est sous-douet ou qu'à compter quelques grands timons dans la salle classe, principalement dans l'école privée, qui jusqu'à présent, pour qu'on rassemble grande foule, c'est une table de parole, si là, qui dans le secteur privé, y a une situation qui a persisté, surtout depuis après 4 enlèvements, plusieurs élèves dans la commune ça qui pas épargné non plus en bas mais bandits kidnappés. Raison qui est à la cause, ils ont bonnes parents toujours en bas choc d'après Pifor directeur l'école privée dans Carrefour. Michel, ensemble avec Sony Merci, tous deux ces responsables collège foyer en tenant firmé à Shalom dans la communauté. Il a expliqué. Au moins à 15% que l'école apprend et l'école a fonctionné au moins à 15% Carrefour. Ça fait me dire ça. C'est parce que bien majorité de l'école, yo, et il y a des gens qui sont venus, puis ces gens qui sont venus en quantité, et bien l'école ça ils renvoient les gens pour le 1er mars. On parle de nous-mêmes qui dans le secteur privé. Oui, c'est nous-mêmes qui dans le secteur privé. Ok? Et nous avons gardé pour nous, il y a un directeur de l'école tout qui est obligé de prendre mesures ça parce que vous connaissez que les parents, à cause des problèmes politiques ou bien problèmes manifestations qui sont dans la rue chaque jour, et bien les parents tout, ils ont que eux-mêmes qui font au Québec Timoun ou la caillou. Timoun qui a été kidnappé dans la base de Moroa. Père, tu es sorti en lettre. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous plus la majorité. C'est ça qui fait l'école la David Capito avec ses causes de peur qu'il a réparé. Qui gagne que nous avons un petit grand cas qui a fait quoi. Parce que nous ne voulons pas voir les gens, nous avons gardé toujours comment ça a habillé avec manifestation qui a permis de jouer au jour à fou à côté de police au Québec. Et ce n'est pas seulement l'école privée qui est dans la situation ça. Dans pas l'État, 3-4 personnes pas répondre à l'appel. Claire Wilson, Christnel, yo connaît son nom Regala, c'est professeur lycée Kafou. Là explique tout qui Jean Saye pas bon la caille pa yo. Même bah c'est pas gain l'école là, il était dit fait que parents yo pas en confiance. Parents yo père, parents yo pas connaît les petits moun dans sortie est-ce qu'il a rentré. Bah c'est raison ça qu'il faut remarquer. Toute la rue Kafou pas gain l'école. L'école ça gain doit gon clientèle quand dans clientèle là il met son autre clientèle. Et lui-même, il prend responsabilité, il fait qu'il a mené petit l'école, il a cherché, il a retenu, il a suivi, il a un moyen pour le protéger. Par rapport à type l'école liée à non l'école, il a campé, lui-même, il a retenu. Et puis il voyait l'école. Pendant l'autre temps, il n'y a pas de diable qui a débrouillé, qui n'a pas tellement gagné en main. Là, il suspecte que là, il n'y a pas gagné comme protection. Pratiquement, il décide de gagner la caille. Il y a une situation qui a persisté tout dans le même côté. Viré tourner un mouvement manifestation dans la commune selon le directeur établissement scolaire. Sony, ensemble avec Michel Merci, faut que tu aies un plan sécurité bien détaillé dans la commune pour permettre, d'après ça, aux élèves capables de reprendre chemin salle classe sans trop de tête chargée. Le ministère de l'Éducation nationale a un jour une autorité qui l'a pour la sécurité dans la commune, qui est magistrat commune, qui est inspecteur, qui est commissaire commune Carrefour, pour arranger nous, pour nous faire calme. Et retirer tout ça à la caille parce que si mon yo départ et pas et présence policière dans la rue, yo gagne un doute que et calme pas capable pas rétabli. Mon yo a toujours peur de ti mon l'école parce que à chaque fois que autant des manifestations pour problème kafou et ben tout le monde y a toujours un problème ça. Ça veut dire il a six ministres lui-même, c'est lui-même qui responsable, c'est le premier responsable qui pour cause des système ne marche bien. Quel lui-même lui t'apprend des mesures ou bien vin Kafou. J'étais avec le commissaire là, j'étais avec Emma Sakafoua, établi un plan de sécurité pour l'école fonctionner. Rete pour connaître qui dernier mot, ministère éducation nationale, face avec situation ça, qui toujours a répété dans le système, nan, côté les difficiles chaque année pour Timoun yon pas rater, yon joue l'école pour yon raison, pour yon l'autre. Qui côté société ça a pralé, qui a vu secteur éducation en pas bon ici, qui selon un pile monde pas ta doué servi comme choix de bataille pour régler cause politique. En tout cas, t'en vaut l'éducation, t'en vaut la société. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Non, pour retourner sur kidnapping qui fait...